Chers téléspectateurs, bonsoir. Mardi 7 janvier a eu lieu la cérémonie officielle d'installation du Conseil économique, social et environnemental. Le Conseil économique, social et environnemental vivait en semi-léthargie, car ne pouvant juridiquement fonctionner en l'absence d'une investiture officielle de ses membres. Le Conseil économique, social et environnemental est l'un des piliers institutionnels de l'État, dont il est l'une des principales instances consultatives. Vous l'avez compris, l'émission de ce soir sera consacrée à cette institution. Nous recevons dans l'émission de ce soir donc des personnalités susceptibles de nous informer amplement sur le statut, l'émission, le fonctionnement de cette institution. Il s'agit de M. Ahmed El-Heibe Ould Sadr, président de la section chargée des politiques économiques et monétaires, de Mme Si Lala Aïcha Ouedraogo, militante des droits de l'homme, présidente de la section ressources humaines et affaires culturelles, M. Amadou Abouba, président du conseil régional du Gorgol et membre du conseil, et M. Sedmou Oud Mohamed, ancien ministre et statisticien. Revenons donc sur l'installation de ce conseil la semaine dernière avec ce reportage en images. Le palais des congrès de Nouakchott a abrité la cérémonie officielle d'investiture du président et des membres du Conseil économique, social et environnemental. Une cérémonie présidée par le président de la République, Mohamed Oulcher El-Ghazouani. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Ismaël Oulbodda Oulcher Sidiya, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du chef de file de l'opposition, du président de la Cour suprême, du président de la Cour des comptes, des membres du gouvernement, des hautes personnalités de l'État, des présidents des formations politiques de la majorité et de l'opposition, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Considéré comme étant la deuxième chambre après le Parlement, le Conseil économique et social est une assemblée consultative constitutionnelle ayant plusieurs missions et attributions. Il est un espace privilégié de dialogue, de concertation et d'expression qui regroupe en son sein les différentes catégories socio-professionnelles qui participent et contribuent à l'élaboration des politiques économiques, sociales et environnementales du gouvernement. Le Conseil économique, social et environnemental compte 42 membres nommés par décret présidentiel, possédant des profils divers et variés, une diversité des membres qui fait sa richesse. Le bureau du Conseil économique, social et environnemental se compose de 6 membres. Bonsoir, M. Sadr, bienvenue. Vous allez prendre la parole pour nous édifier un peu sur le rôle du Conseil économique, social et environnemental plus. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu ala nabihi al-Karim. Au nom de tous les membres du Conseil économique, social et environnemental et de son président, M. Mas'oud Boulkhair, je vous salue. Et je désire vous présenter mes vœux. Mes vœux pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos proches. La composition... J'allais continuer. J'ai dit merci. Merci, je remercie. La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont fixées par la loi organique 2018-12 en application de l'article 95 nouveau de la Constitution. Nous sommes un conseil de la société civile organisée, donc notre participation est citoyenne. Le Conseil, nous sommes un Conseil dont les institutions, des institutions similaires existent dans le monde pour un nombre de 80 ou plus dans le cadre de la démocratie participative. Nous n'oublions pas, la démocratie est fragile.
et nécessite notre protection de tous. Et cette protection passe par le respect mutuel, la sérénité, les débats et le partage. Comme vous le savez, la démocratie évolue, elle grandit. Et c'est tant mieux. C'est à nous, institutions, organisations, sociétés civiles, organisées et partis politiques, de nous adapter et pas le contraire. Donc la société civile organisée que nous sommes doit aussi savoir se remettre en cause, elle doit évoluer. Nous sommes un espace adéquat pour la discussion et le dialogue entre les partenaires économiques, sociaux, environnementaux et les ONG. En tant que tel, nous sommes en quelque sorte la boussole de la bonne gouvernance. Nous participons à la démocratie de notre pays. Ce rôle est une responsabilité. Nous ne devons pas l'oublier, et bien que nous ne faisons pas de politique. Le Conseil économique, social et environnemental a été mis en place par Son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, le 7 janvier 2020, pour une durée de 5 ans à partir de cette date d'installation. Monsieur Sadr, je crois qu'on doit se suffire de ça en attendant que vous repreniez la parole pour le deuxième aspect. Je termine, c'est tout. Je parle des nouveaux bureaux, en deux mots. Rapidement. Oui, très rapidement. Mm-hmm. Donc ce nouveau bureau, ce nouveau conseil, disons, conseil économique, social et environnemental, sous la présidence de M. Mesoud Oulbelkhair, est décidé à jouer pleinement son rôle, qui est consultatif, et proposera au pouvoir public ses constats et préconisations globales qui privilégient les thèmes transversaux en donnant son avis circonstancié sur les orientations générales de l'économie et du développement durable. Donc c'est la bonne gouvernance. Un mot, justement, à la force de la société civile organisée de pouvoir être conforme à l'action de ce qu'on appelle les lobbies. Donc, nous sommes un genre, disons, de tamis. Nous sommes des traducteurs au profit des pouvoirs publics. Enfin, si vous le permettez, il me semble important que tous nous nous rendions compte de l'étendue, je dirais, de l'écosystème de notre conseil et du nombre de ceux qui interagissent avec lui, nos 42 membres hautement qualifiés et désignés par décret, comme vous l'avez dit, ont pour la plupart le caractère singulier d'être responsables d'organisations dans la société civile ou dans la vie professionnelle. On verra cela plus clairement dans la composition de notre institution qui est parfaitement et véritablement la société civile mauritanienne. Donc, je vous remercie. Merci. C'était mon introduction. Madame Silala Aïcha, je l'ai dit, vous êtes militante des droits de l'homme, présidente de la section ressources humaines et affaires culturelles. Vous pouvez nous évoquer de manière très brève l'aspect des droits de l'homme au sein du Conseil économique, social et environnemental. Merci Edali. Merci donc d'abord, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je voudrais remercier donc la télévision nationale pour nous avoir donné l'occasion de parler de cette auguste assemblée qui est le Conseil économique social, qui aujourd'hui est devenu aussi Conseil économique, social et environnemental. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, cet organe est la deuxième assemblée consultative après l'Assemblée nationale depuis qu'il y a eu la dissolution du Sénat. Donc, c'est une assemblée consultative. Ça, c'est indépendante, mais elle est consultative. Donc, qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire qu'on est consulté par le gouvernement, en l'occurrence le président de la République ou le Premier ministre, pour donner des avis par rapport à des lois, des projets de loi, par rapport à des politiques ou des stratégies nationales. Maintenant, si nous sommes consultés par rapport à ça, nous nous réunissons dans nos différentes sections, qui sont des sections spécialisées, et nous émettons un avis que nous portons à la connaissance du gouvernement. Donc nous sommes saisis par le président ou par le Premier ministre. Mais bien sûr que aussi, dans nos prérogatives, nous pouvons nous auto-saisir par rapport à certaines questions d'envergure économique, sociale, environnementale, où nous donnons des points de vue que nous remettons aux autorités administratives et en l'occurrence le président de la République, le Premier ministre. Maintenant, libre à eux, en ce moment, d'en tenir compte ou de ne pas en tenir compte. De toute façon, nous, nous sommes constitués de sections. Tout à l'heure, nous parlerons de ces sections et qui tranchent en général. Donc, quelles sont les grandes missions donc de ce Conseil? Donc, qui est un organe. Alors, vous aurez l'occasion de revenir sur l'émission parce que c'est le deuxième aspect. On va permettre à M. Ba de nous dire comment il est membre de ce conseil alors que lui, il est président du conseil régional du Gorgone. Comment se fait-il que vous êtes membre de ce conseil? Merci, M. Yedali. Dans la composition du conseil économique, social et environnemental, la décentralisation est représentée à hauteur de 5 membres. C'est à ce titre, donc, en tant que président de région, que je suis membre du Conseil constitutionnel et Conseil économique et social. Et c'est dire aussi qu'il fallait, parce que c'est une nouvelle création, et le Conseil touche tous les spectres de la société, il fallait tenir compte de cette avancée de la décentralisation par la création des régions. Je voudrais rebondir un peu sur les aspects évoqués par mes deux prédécesseurs sur un point qu'ils n'ont pas suffisamment évoqué. C'est l'indépendance du Conseil. C'est vrai que c'est un organe consultatif, mais indépendant. Indépendant. Il jouit de toute l'indépendance nécessaire. Ce n'est pas un organe administratif qui reçoit des instructions d'un quelconque pouvoir. Au-delà de sa capacité d'autosaisine, la loi fait obligation au gouvernement de donner annuellement des points qu'il a exécutés dans les recommandations du Conseil en la personne du Premier ministre. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour le suivi de l'action du Conseil. L'autre aspect, c'est cette dimension environnementale qui a été ressortie dans le Conseil. Jusqu'à une date récente, jusqu'à la dernière révision constitutionnelle, nous avions un Conseil économique et social. Mais aujourd'hui, la dimension environnementale ne peut être occultée par aucun État qui se respecte, surtout un État comme le nôtre. C'est dire, donc, tout l'intérêt d'avoir un conseil. Quand on viendra aux missions, nous en parlerons. Mais déjà, en tant qu'organe, le conseil est avant tout un organe constitutionnel. Ce qui est extrêmement important, on place la barre très haut. Deux, c'est un organe indépendant. C'est vrai, il peut être saisi par le président de la République, par le Premier ministre, mais il peut également se saisir de toute question d'intérêt national. On va demander à M. Sedoumou de nous dire est-ce qu'il est nécessaire obligatoirement d'avoir un conseil économique, parce qu'il y a certainement des pays où il n'existe même pas. D'abord, je dirais d'abord que du point de vue du citoyen ordinaire, le Conseil économique et social est une création dont il ne comprend pas la justification. Il existe constitutionnellement depuis 1991. Mmh. Il a été
nommé de manière éphémère et a survécu tout au plus quelques mois. Puis après, il a hiberné officiellement. Puis, il a été repris. Des personnalités ont été nommées, un conseil a été composé. Mais non seulement les citoyens moyens, mais une partie de l'élite qui s'intéresse à la chose économique, sociale, environnementale et financière, ne connaît du Conseil économique et social que le nom. C'est-à-dire que pas de rapport, pas de document, pas d'évaluation, pas d'enquête, rien de concret. Sinon, d'honorables personnalités qui ont certainement un siège, je ne sais pas où il est, et qui, en réalité, on vient de, juste à l'occasion de l'installation du deuxième mandat de son président actuel, de nous rappeler effectivement qu'il existe un Conseil économique, social et environnemental. Cela dit, nous avons beaucoup de pays, effectivement, ont un Conseil économique et social, et parfois environnemental en plus. Mais chaque pays a ses considérations. Et je crois que normalement, l'équilibre général des pouvoirs dans les pays démocratiques s'appuie sur ceux qui sont censés exécuter, ceux qui sont censés légiférer, et à ce titre, l'Assemblée nationale n'est pas un organe consultatif, c'est un organe législatif. C'est lui qui décide normalement des lois et qui contrôle l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, le Conseil économique et social aussi n'a pas prérogative chez nous de donner des avis sur les lois de finances. C'est l'une des rares exceptions qu'il a dans ce que j'ai lu. Parce que finalement, nous n'avons que ce que nous lisons. Donc, dans l'équilibre des pouvoirs, il y a la troisième composante. Ce sont ceux qui, normalement, sont censés réfléchir, donner des avis, qui ont des conseils, qui ont une grande expérience, qui ont des experts, et qui, pour que la nation ne fasse pas de route ou qu'elle ne prenne pas de mauvaises décisions, il y a des gens qui sont censés constituer, disons, l'avis respectable et respecté qui pèse sur les décisions que vont prendre l'exécutif ou les lois que va prendre le législatif. C'est un peu ça le rôle, en réalité, d'un Conseil économique social. Bon, ils l'ont rappelé tous, mais dans la réalité, les pays économes ne construisent ou n'édifient ou ne promulguent ou n'acceptent de créer des institutions que quand elles sont utiles. Quand elles sont utiles, quand elles ont une valeur ajoutée. C'est-à-dire quand ces conseils servent à quelque chose. Le reste, c'est du gaspillage, de la malgouvernance, c'est du gâchis. C'est la raison pour laquelle, si on voudrait avoir un Conseil économique et social, il peut se justifier. Mmh. Il faut qu'il serve à quelque chose. Il faut qu'il montre qu'il existe. Il faut qu'il produise quelque chose ou qu'il attire l'attention du législateur et du pouvoir exécutif sur ce qui ne va pas, sur les contradictions, sur les questions structurelles, économiques, structurelles qui sont posées. Et il contribue à le trouver des solutions. Mmh. Voilà, grosso modo, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est à peu près ce que je pense. Oui, ça me pousse à demander à Sadiq de nous dire un peu comment s'opère le choix des personnes, aussi bien au niveau des structures dirigeantes qu'au niveau des membres. Alors, nous avons, c'est les structures elles-mêmes qui élisent. Et parfois même au forceps, il y a des élections dures au niveau des composantes du Conseil économique. Globalement, nous avons le patronat, les syndicats, les associations, les ONG et toutes les composantes des ONG. Nous avons les imams, les ulama, et nous avons les femmes qui sont représentées. Nous avons aussi... comme vous avez dit, deux maires, trois chefs de régionaux. Et donc, on peut dire que c'est un peu toute la société civile qui est représentée réellement au niveau du Conseil. Certes, on peut dire que le Conseil manque de dynamisme. Et c'est réel parce qu'on ne lui a jamais soumis une consultation. Mais, vous avez signalé qu'il peut s'autosaisir. Oui, mais ça reste exception. Il vaut mieux que c'est la pratique qu'on lui donne, qu'on lui soumet. Vous voyez, par exemple, si on prend souvent l'exemple de la France.
Ce conseil existe dans la constitution de 1947 et renouvelé dans celle de 1958. Protocolairement, le président du Conseil économique et social et environnemental en France est la quatrième personnalité. Vous avez le président du Sénat, le Premier ministre et tout de suite le président du Conseil de l'économique social, pour voir son importance. Le président de l'Assemblée nationale est le quatrième. Comment ? Le quatrième, c'est le président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est ça. Non, vous rappelez ça. Le président du Sénat, de l'Assemblée, le Premier ministre, etc. Lui, il est un cinquième personnalité. Oui, oui. Je pensais qu'il y a un quatrième. Bon, un cinquième ou quatrième, c'est déjà bien avancé dans le protocole. Protocolairement. Donc, c'est une institution assez importante. Et comme je vous l'ai dit, il y a plus de 80 pays au monde qui ont des institutions similaires. Bien sûr, il y a une différence entre ces institutions. Certaines sont plus vigoureuses que d'autres. Et bon, moi, si vous voulez... Et on peut parler de, maintenant actuellement de sauver un peu le Conseil, non afin de faire perdurer une institution sous le prétexte qu'une institution ne peut disparaître, parce que prévue par la Constitution, qui n'est pas loin de celle française. Mais moi je dirais fondamentalement que nous croyons à l'utilité profonde de l'Assemblée, de la société civile organisée, qui est parfaitement... représenté par le Conseil économique, social et environnemental, surtout cette nouvelle environnementale. Et donc la nomination, pour terminer votre question, est faite par les bureaux exécutifs, par l'Assemblée générale de chaque composante et qui élit son représentant ou ses représentants. Parce que le patronat, par exemple, a 7, les syndicats ont 7, d'autres des professions libérales, dont je fais partie, ont 3, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Lala Aïcha, oui. Le choix, donc... Comment vous avez été choisi? Voilà, je vais vous expliquer. C'est-à-dire, comme ils l'ont dit, la composition du Conseil, et le Conseil donc, est composé de pratiquement toutes les forces vives de la nation. Par exemple, moi, je viens de la société civile. Et on a réuni les grandes entités de la société civile mauritanienne, tels que le forum de la société civile. Nous avons réuni tous les réseaux qui existent aujourd'hui et nous avons fait un choix. Nous avons vraiment voté, nous avons fait un vote pour choisir deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, pour représenter la société civile. Et je sais que, par exemple, il y a aussi des représentants, par exemple, des personnes vivant avec handicap, il y a les représentants des coopératives féminines, nous avons par exemple les associations de jeunes, les collectivités territoriales comme M. Bal vous a dit. Donc chaque entité, chaque profession se réunit et choisit le nombre de personnes qui sont déjà identifiées, parce que pour chaque profession, il y a un nombre de personnes qui est prévu. Par exemple, pour la société civile, il faut deux. Par exemple, pour l'administration territoriale, par les collectivités territoriales, il dit qu'il y a 5. Donc, il y a les représentants des salariés, je pense qu'ils ont... Donc, il y a un nombre qui est déjà prévu par la loi. Maintenant, ce nombre est choisi suivant des élections démocratiques. Les gens les choisissent pour un mandat qui est renouvelable une fois et la prochaine fois, les gens sont choisis. Ils sont parfois renouvelés. Parfois aussi, ils sont reconduits. Donc, je disais que par rapport à l'importance, je pense que tout le monde est d'accord sur l'importance. Maintenant, la Mauritanie l'a mis dans sa constitution. Il y a eu des conseils qui sont venus, mais il y a eu tellement de facteurs dans ce pays-là qui font qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, qui font que effectivement, il y a eu des problèmes pour que cela marche. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, les deux premiers présidents, ils n'ont pas le premier n'a pas fait 6 mois. Le premier président de ce conseil dans l'historique, il n'a pas fait 6 mois. Pourquoi? Bon, c'est les soubresauts, c'est les facteurs politiques et tout ça, il y a beaucoup de choses qui font qu'il n'a pas fait 6 mois. Donc, on ne peut pas parler, et par exemple, le dernier mandat, les gens ont passé 5 ans
alors que les gens n'ont jamais pu, par exemple, installer officiellement le Conseil économique et social. Les raisons sont multiples. Donc, le Conseil, effectivement, devrait faire des choses, mais aussi il y a une certaine volonté politique qui fait qu'il faut cela pour que les conseils puissent être vraiment jouer leur rôle. Donc, je pense, et ça, je vais finir en disant que vraiment nous saluons, par exemple, les autorités présentes qui ont tenu à, par exemple, installer ce conseil cette fois-ci, ce qui est, de mon point de vue, c'est-à-dire une marque d'intérêt qu'il porte à ce conseil, en disant que ça, c'est un conseil qui est, c'est une structure donc constitutionnelle importante, il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle marche, il faut qu'elle joue son rôle. C'est pourquoi je ne voulais pas passer sans montrer qu'aujourd'hui, à travers le discours tenu par le président de la République, qu'il a installé ce 7 janvier, nous avons quand même une lueur d'espoir qui montre qu'aujourd'hui, les autorités administratives de la Mauritanie estiment que c'est une institution importante qu'il faut faire marcher. Monsieur Ba, la volonté politique, c'est important pour la mise en place du Conseil, pour son gouvernement. Je peux rebondir avant d'aborder ce point sur les propos de mon ami Solmou, qui ne me dira pas le contraire. La pertinence d'avoir un Conseil. Maintenant, je sais qu'il est bien d'accord que c'est bon que le pays ait un Conseil économique, social et environnemental. Là où il a un peu taquiné, c'est par rapport aux résultats des précédents conseils. Il est très tôt pour évaluer celui-ci. Celui-là, parce qu'il n'a été installé que le 7 janvier. Comme venait de dire tantôt ma collègue Lalaïcha, je crois que cette installation solennelle marque un tournant dans la vie du Conseil économique et social. Et nous tous, nous avons écouté avec grand intérêt le discours du président de la République qui a dit que le Conseil devra désormais jouer pleinement son rôle. Et si le Conseil joue pleinement son rôle, il sera d'une utilité exceptionnelle. Parce qu'en réalité, comme l'a dit Selmo, seule la loi de finances, les lois de finances qui peuvent échapper au Conseil, au-delà de l'autosaisine. Les institutions ne valent que par ce qui les occupe. Je crois que dès la nomination des membres de ce conseil, avec les changements à la tête de l'État, tout de suite, on a convoqué l'Assemblée générale. Un, pour marquer un début, mettre en place les commissions, étant les quatre commissions qui étaient prévues par le décret, et mettre en route le nouveau décret qui ne pouvait voir le jour qu'après l'installation, mais aussi demander l'installation du Conseil. Parce qu'en réalité, le Conseil n'a été installé que le 7 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 16. C'est ça. Même pas le 14. Le 14. Donc, véritablement, je crois qu'avec la volonté affichée par le président de la République et le discours du président du Conseil, qui a été très clair sur tous les aspects, j'ai bon espoir que les attentes de mon ami Selmou, cette fois, il ne sera pas déçu. Selmou, la volonté politique à elle seule, est-ce qu'elle suffit pour les performances d'une institution? C'est important. Le
contexte global et la volonté politique jouent un rôle déterminant, ça c'est sûr. Mais aussi les personnes qui s'occupent ou qui sont membres de ce conseil. Je ne connais pas le taux de renouvellement. S'il y a des gens curieux qui travaillent au conseil ou qui sont membres, devraient connaître le taux de renouvellement entre les deux dernières, les deux derniers conseils, celui il y a 5 ans et l'actuel. Je ne sais pas s'il a été renouvelé à 20%, 30%, je ne sais pas le pourcentage. Ça, c'est important. Parce qu'il faut bien qu'il y ait du sang neuf dans un conseil. La deuxième chose, c'est effectivement l'expertise. C'est bien d'avoir des professionnels, c'est bien, mais le conseil lui-même prévoit qu'en son sein, il y ait des gens compétents, qui savent de quoi on parle, qui sont capables de l'expliquer aux autres. Parce que c'est un organe qui, à la fois, doit réunir l'expertise, mais aussi la caution sociale. C'est-à-dire ceux qui travaillent, les syndicats, les entrepreneurs, les indépendants, les travailleurs indépendants, l'administration, le monde des affaires. Donc, il était composé de 37 membres il y a quelques années. Maintenant, c'est 42. 42. Oui, maintenant, ils ont augmenté, je ne sais pas pourquoi. Certainement que vous le connaissez, vous le savez mieux que moi. La décentralisation et l'environnement. Et l'environnement, d'accord. C'est logique. C'est très logique. Maintenant, tout dépend des pouvoirs publics. Dans un système où on fonctionne à peu près démocratiquement, personne n'a la vérité, ne détient la vérité. La vérité, elle est multidimensionnelle, elle peut venir de n'importe où. Il y a effectivement un décideur, en dernier ressort, mais qui, avant de décider, ne le fait pas sous un coup de tête. Il ne le fait pas sans réfléchir. Il ne le fait pas sans consulter. Et c'est ça un bon chef. Alors, maintenant, moi, je fonde beaucoup d'espoir, comme la plupart des Mauritaniens, sur la nouvelle situation, sur le nouveau président. Mais on verra. Avant de passer au deuxième chapitre de notre débat, nous demandons à la cabine technique de nous envoyer tout de suite le discours du président de la République. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم معالي الوزير الأول Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le chef de file de l'opposition démocratique, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs, Mesdames, la promotion d'un développement global et durable qui réalise les aspirations du peuple mauritanien dans toutes ses composantes représente l'objectif central des politiques publiques que le gouvernement a élaboré et s'attelle à mettre en œuvre. Ce développement global et durable, pour être traduit dans la réalité concrète, requiert de notre part l'édification d'une économie variée et efficiente en matière de création d'opportunités d'emploi et de production de valeur ajoutée. L'adoption de politiques sociales pour éradiquer la pauvreté, la précarité et l'exclusion. La formulation de stratégies garantissant la préservation de notre système environnemental et la gestion durable de nos ressources naturelles de manière à garantir le renouvellement continu. Ces trois niveaux représentent le domaine de compétence de cet honorable conseil dont nous supervisons aujourd'hui la mise en place, le Conseil économique, social et environnemental. Excellences, Messieurs, Mesdames, le Conseil économique, social et environnemental est une institution constitutionnelle qui, conformément aux compétences qui lui sont dévolues par la Constitution, assume des missions consultatives dans toutes les questions ayant un caractère économique, social ou environnemental. Le Conseil peut, sur sa propre initiative, donner un avis au gouvernement sur la mise en œuvre des programmes ou plans d'action ayant un caractère économique, social ou environnemental. Il offre également aux différentes catégories professionnelles et sociales, les associations, les organisations non gouvernementales, et les personnes de ressources qui sont représentées en cadre privilégié de participation efficace dans la conception et le suivi des politiques économiques,
dans les domaines économiques, social et environnemental. Nous sommes persuadés que ce Conseil, au regard de la diversité de sa composition, de la compétence de ses membres, apportera une contribution majeure dans la conception, le suivi et l'exécution des politiques publiques. C'est pourquoi le gouvernement veillera à perpétuer une constante coopération positive avec le Conseil pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Enfin, je déclare l'installation du président des membres du Conseil économique, social et environnemental dans leurs fonctions et leur souhaite plein succès dans leur mission. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Ba, vous avez retenu, vous avez écouté le discours du président de la République. Qu'est-ce que vous en avez retenu? L'axe premier, c'est que le président de la République a dit toute l'importance et l'espace que doit jouer le Conseil. Et c'est ce qu'on avait dit tantôt. Mais je voudrais dire surtout, que les compétences dans les différents secteurs qui constituent le Conseil, il y a bel et bien des compétences. Mais au-delà de cela, comme n'importe quelle institution, on peut faire appel à toute forme d'expertise, par des voies contractuelles, par des comptes. Ça ne finit pas. Les compétences, on les connaît. Est-ce que quelqu'un, qui qu'il soit du reste, peut être compétent dans tous les domaines, aussi large que ceux du Conseil? Et il se trouve que, par sa composition, le Conseil est constitué de personnalités, comme l'a dit si bien mon ami Selmo, qui excellent dans leur domaine. Monsieur est expert comptable et qui a présidé l'Ordre des comptables pendant des années. Je crois que quand dans le domaine des finances, un expert comptable est assez bien outillé. Moi, j'ai fait toutes les facettes de l'administration, y compris la décentralisation, et aujourd'hui je suis président de région. Je crois que valablement, je n'ai rien à envier à personne dans le cadre de la décentralisation. Et il y a bien d'autres. Je sais que le jour des présentations des nouveaux membres du Conseil, et ne me laissez pas me tromper, le président Messoud était sidéré par le background de 80% des membres, les autres venant de la société civile. Ce sont des gens, certes, certains ne sont pas diplômés, mais juste d'une très grande expérience, tel que le président Lahbous de l'Association des personnes handicapées physiques, que mon ami Selmo et moi connaissons aujourd'hui depuis 40 ans dans ce segment, on ne peut pas trouver meilleure expertise. Ça, je crois que le Conseil, jusqu'à présent, a péché dans la communication. Parce que je crois que le plateau de ce soir doit être un début. L'une des plus grosses critiques adressées par mon ami Selmo, c'est ce que le Conseil n'est même pas connu, même de l'intelligentsia. Donc, c'est un nouveau chapitre que nous ouvrons ce soir, parce que je ne me souviens pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait à la télévision nationale, une seule émission sur le Conseil. Mais si, même vous, ici à la télévision, c'est ce que vous avez senti, qu'il y a un vent nouveau qui a soufflé, sans quoi vous ne nous auriez pas invités. Il y a eu un président qui a été installé par le passé. Vous n'avez pas fait de table ronde autour du Conseil. Donc, véritablement, je dis bien qu'il y a bel et bien des compétences, très hautes compétences au sein du Conseil. Je sais que mon ami Selmo travaille
tout le temps avec Mme Lalache. Si elle n'était pas compétente, il n'aurait jamais fait appel à lui. Je le connais pour sa rigueur. Je sais, moi, que bon nombre des membres du Conseil sont 10 000 fois plus compétents que moi. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On va demander à Sadr de nous parler des différentes sections qu'il y a dans le Conseil. Il y en a 4, c'est ça? Les sections, oui, il y en a 4. Oui, il y en a 4. Alors, il y en a 4, oui. Je les retrouve. Elle devrait être 5. Politique économique monétaire, vous? Attendez, je vais vous dire exactement, si vous le permettez. Il y a la section 1 qui s'appelle exactement la section des politiques économiques monétaires chargée, qui est chargée de la stratégie de développement, des questions monétaires et des finances publiques, de la politique bancaire et du crédit, de la promotion des investissements publics ou privés, de la bonne gouvernance, de la coopération. Ça fait déjà beaucoup, vous savez. Et on a la deuxième section qui s'appelle la section de l'économie productive, de la solidarité nationale et de la promotion sociale qui est chargée de l'étude de la gestion et de l'exploitation des ressources minières, pétrolières, halieutiques, agropostales et hydriques, de la promotion de l'industrie et des échanges commerciaux, du développement du secteur rural, de la politique de la santé et de lutte contre les grandes endémies, de la politique de l'emploi et l'insertion, de la promotion de l'artisanat et du tourisme, de la sécurité alimentaire, de la promotion de la famille, de la femme et de l'enfance, de la promotion de la jeunesse, des sports individuels et collectifs. Et vous voyez, on a ratissé large. Mm-hmm. Alors, je termine avec les deux autres, les deux autres, si vous le permettez. La troisième, c'est la section des infrastructures et de l'aménagement du territoire, qui est chargée de l'étude du développement urbain et de l'habitat, du développement de l'amélioration des infrastructures hydrauliques, du développement et de l'amélioration des infrastructures du transport, des équipements et des infrastructures de base, de la politique en matière de l'énergie, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie, mais aussi de la décentralisation et du développement de la base, de la politique d'accès universel aux technologies de l'information et de la communication. Enfin, la quatrième section, c'est la section des ressources humaines, des affaires et culturelles et de la société civile, présidée par la conseillère Lalache. Elle s'occupe du développement de la politique de l'alphabétisation et l'amélioration de l'éducation de base, développement de l'amélioration de l'enseignement supérieur, de la politique et de la formation technique professionnelle, de la revalorisation et du développement de la recherche scientifique, de la politique en matière de communication et de presse, de la réforme et de la fonction publique, et de la modernisation de l'administration, et enfin de la promotion de la société civile. Si vous Merci. Le permettez, Edali, je vais juste ajouter un mot, c'est-à-dire que le bureau du Conseil est constitué de ces 4 présidents de section, plus le président Mesoud Ould Belkhair et le vice-président Mohamed Abdallahi Oul Siyam, qui ont un décret commun, et puis on a un autre décret concernant le secrétaire général, qui est Mohamed Mahmoud Sidina El-Hajj Ibrahim, qui est de l'administration. Ça, c'est pour le bureau du Conseil. Bon, comme vous le savez, moi, j'aurais souhaité lire, qu'on lise le nom des autres membres. Non, ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous m'avez dit que ça. Bon, en tout cas. Je crois que Selmou a quelque chose à ajouter. Moi, je voulais demander à Selmou, vous voyez qu'à travers ce qu'on vient de nous lire, je crois que tous les domaines ont été jugés. Tout à fait. Non, je ne parle pas. Vous savez, les textes, les documents en Mauritanie, en général, ils sont bien faits. Sont faits parce qu'ils sont faits à l'instar de ce qui a été fait dans le reste du monde. Et je ne dis pas que c'est du copier-coller, mais c'est quand même, on s'en inspire beaucoup. Donc, en général, c'est bien fait.
Mais pour nous, citoyens, ce qui nous intéresse, c'est que depuis 1991, nous avons un conseil économique et social. Moi, j'ai beau chercher un site internet. Ah oui, mon il n'y en a pas. J'ai beau chercher un plan de travail, au moins, même si les bonnes intentions, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas une volonté politique. Nous, en tout cas, on est là, on a fait un plan de travail pour évaluer tel aspect de la politique économique, pour voir telle chose qui ne fonctionne pas bien vis-à-vis des consommateurs, pour défendre les citoyens. Donc, je ne vois pas ça. Je n'ai jamais vu un seul rapport, ni sur Internet, ni sur aucun média, ni un écrit quelconque émanant de cette honorable institution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est truffée de cadres, de gens brillants, honorables, et le résultat, il est là. Rien. Mais ça, ce n'est pas normal, quand même. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal, Ba? Mon ami Ba, est-ce que vous pensez que c'est normal? Moi, je dis... Monsieur le Président. Moi, je dis, mon ami Selmou... C'est du gaspillage, ça. Je ne parle, moi, que du conseil qui a été installé... C'est ça. Le 7. Ah oui, le 7. Me demander des résultats... Je suis comme vous. Je fonde beaucoup d'espoir, c'est tout. Et je ne connais que celui-là parce que je viens d'y être. D'accord. Les critiques que vous avez formulées... La première Assemblée générale, nous les avons fait nôtres, tous. Ah, très bien, très bien. Bon. Ça me réjouit. Aujourd'hui, on vous nous attend. Regardons devant. Mais vous serez avec nous aussi. Comment je serai? Je n'ai rien à voir avec parce vous. Parce qu'en réalité, rien ne nous interdit de faire appel à de l'expertise. Mais s'ils ont le temps et s'ils ont la possibilité de Oui, mais ce n'est pas forcément bon, vous. Bon, voilà, tout le monde. Ce n'est pas forcément vous. Bon, voilà. Les compétences, ça court les rues aujourd'hui. Bon, absolument, absolument. Si vous avez la volonté, vous êtes des experts tous. Vous n'avez même pas besoin d'experts en réalité. Aujourd'hui. Non, non, vous êtes... D'après ce qu'il m'a dit ici. Aujourd'hui. Non, il y a des hommes et des femmes de qualité au conseil. Ça, je vous le dis. Très bien, donc... Bon, ça, c'est certain. C'est tant mieux pour notre pays. Du point de vue de la lâche. Ouais. Le vrai problème, c'est que vos arguments, vous nous faites porter des responsabilités qui ne sont pas nôtres. C'est une continuité, monsieur. Là, un conseil, une institution, c'est une continuité. On évalue toujours ce qui a été fait avant. Absolument. Pour bâtir sur... Absolument. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sans bâtir sur l'expérience, sur l'évaluation. Vous venez de dire... Ah, dites-nous maintenant. Monsieur Ba, on va demander à Lala Achasson. Ouais. Je crois qu'elle a... qui était membre de l'ancienne... Moi, je pense qu'il ne faut pas être aussi négatif que ça. Je suis d'accord qu'il y a des choses à améliorer. Je suis d'accord que le Conseil a un certain nombre de cadres compétents. Et d'ailleurs, le critère de la compétence a été présent vraiment dans le choix de tous les membres du Conseil. Parce qu'il fallait être compétent, il fallait avoir une valeur ajoutée dans le domaine d'où tu viens, il fallait aussi être engagé. Donc, tous ces critères-là existent aujourd'hui au niveau... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des choses qui ont été faites. L'organisation du Conseil lui-même, là, sa mise en place a été faite. Il y a eu des formations qui ont été faites pour le personnel de ce Conseil, pour les rôles et tout ça, ça a été fait. Il y a eu des rencontres, des échanges qui ont été faits, par exemple, à l'extérieur, par exemple, au niveau du Sénégal, au niveau du Maroc, au niveau de certains pays... pour un peu apprendre un peu de l'expérience des autres, s'inspirer de cette expérience. Je pense que ça, c'est des choses qu'il faut valoriser parce que c'est un renforcement de compétences des personnes, des ressources humaines que nous avons. Maintenant, par rapport aux saisines, par rapport aux lois et leur étude, il y a eu un certain nombre d'insuffisances. Et je disais tout à l'heure que je ne voulais pas vraiment m'apesantir sur ça. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, il y a eu des moments où vraiment il y a eu une instabilité qui a fait que le Conseil, il y a un problème de volonté politique qui font qu'il y a eu une léthargie au niveau de cette fonction ou de ce rôle du Conseil économique et social. Aujourd'hui, nous espérons et nous sommes presque sûrs par rapport à la nouvelle sortie au gouvernement actuel, tout cela, que les gens prennent conscience de l'importance de cette institution et pensent qu'aujourd'hui, il faut que les gens travaillent. Nous avons les ressources humaines. Il est prévu qu'il y ait des experts
dans certains domaines pour pouvoir travailler, analyser les lois, donner des propositions et faire des propositions, je pense, dans tous les domaines socio-économiques, sociaux et environnementaux. Et je pense qu'il faut donner du temps au temps, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment négatif. Et même par rapport au site, il y a dans le site du gouvernement, moi j'ai ouvert aujourd'hui dans le site du gouvernement, il y a des informations par rapport dans ce site-là, par rapport au Conseil économique et social mauritanien. Ça existe, je l'ai ouvert même aujourd'hui ce site. Mais peut-être qu'il n'est pas très, très riche, on n'y met pas trop, il n'est pas très alimenté, mais ça, ça existe, ce site existe. Je suis navrée, mais c'est un site qui existe. Je l'ai ouvert même ce soir. Et je pense que dans les perspectives, il est même prévu de faire un portail. Donc, où nous allons avoir une base de données, des experts qui vont donner, une base de données qui va servir même au conseil pour le travail qu'il doit faire, mais qui va même servir au gouvernement dans l'élaboration de ses politiques et tout cela. Je pense que c'est des idées. C'est de moins une précision. Ce site ne vous appartient pas. Oui, voilà. Mais vous avez dit qu'il n'y a rien, vous avez dit qu'il n'y a rien, mais ce site ne vous appartient pas du tout, c'est quelqu'un d'autre, c'est un autre site qui parle. C'est un site du gouvernement, c'est le site du gouvernement. Oui, mais vous n'êtes et pas nous le gouvernement. Nous sommes une institution constitutionnelle et nous pouvons utiliser ce site. C'est-à-dire, moi, ce que je n'accepte pas, je veux dire qu'il n'y a aucune information par rapport à ça. Les informations existent par rapport au Conseil économique. Il y a des insuffisances qu'il faut combler, dont nous sommes tous conscients, mais il y a des choses qui ont été faites. Le Conseil aujourd'hui économique et social... Est-ce qu'il a un plan d'action? Est-ce qu'il a déjà un plan d'action? Je vais vous dire, nous sommes par exemple membres de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, où nous cotisons, où nous donnons notre point de vue par rapport à certaines questions clés. Moi, je pense que ça, c'est des choses... Peut-être ce que vous voulez, vous ne l'avez pas encore... Mais il y a des choses qui existent et qu'il faut valoriser. Il ne faut pas être négatif par rapport à ça. Oui, merci. Un plan d'action. Le plan d'action, c'est en cours. C'est bien. Je ne peux qu'être d'accord, malheureusement, que du constat que fait l'éminent économiste, c'est qu'effectivement, il est difficile de défendre les bilans du Conseil économique et social, et maintenant plus l'environnemental. Mais effectivement, il n'y a pas eu grand-chose. Comme l'a dit la Daesh, il y a eu la participation à des associations comme des institutions, plusieurs, similaires. Il y a eu des participations, il y a eu des voyages, mais il n'y a rien de concret. Il n'y a pas un plan d'action, il n'y a pas réellement des actions comme on l'aurait souhaité. Mais comme l'a dit mon collègue, c'est que maintenant, nous, on regarde vers l'avenir. C'est bien. On regarde vers l'avenir. Essayons de faire table rase du passé. Il n'y a rien. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on peut ? Et le gouvernement ne nous a jamais saisis et on n'avait pas les moyens de faire une auto-saisie. Et nous n'avons même pas, jusqu'à présent, si je peux vous étonner, on n'a pas de siège. Et donc, si vous savez, la situation est un peu difficile. Donc, on a une promesse maintenant d'un siège convenable. Une fois qu'on y est, donc, je crois que les choses vont commencer à bouger. On a vu dans les discours de son Excellence le Président de la République une volonté réelle. Et le Président aussi, Mesoud Oulboukhair, est décidé à prendre ses responsabilités, ainsi que tout staff, dès qu'il y a les moyens nécessaires, dès qu'on a un siège. Il faut bien commencer par là. Et dans ces conditions, pourquoi pas faire appel à des éminents experts comme lui, et on est obligé de le faire pour nous aider à faire tout ça. C'est même prévu. Parce que vous savez, le Conseil économique dans les autres pays similaires, il y a des sommités dans leur domaine qui font le travail. Tout à fait. Ça, vous voyez. Si. Et après, bon, le Conseil, mais il y a des spécialistes. Il faut des personnes comme ça, ressources spécialisées dans leur domaine qui devront faire le cas échéant quand il le faut. On fera appel à Pierre, il a raison pour le moment. Malheureusement, je suis d'accord avec lui. On n'a pas fait grand-chose. Mais on regarde vers l'avenir. C'est bien, ça, c'est juste honnête. C'est honnête. Moi, je voudrais dire tout simplement que depuis l'installation, j'ai assisté, moi, avec le vice-président Siam, à deux ébauches de travaux qui participeront
au démarrage effectif du Conseil. Vous l'avez vu, il vous a cité quatre sous-sections. Le Conseil doit en avoir aujourd'hui cinq. Le nouveau décret d'application de la loi organique est dans le pipe. Parce que tant qu'on n'aura pas le nouveau décret d'application dans l'environnement juridique global, il y aura quelque chose qui manque. Vous ne pouvez pas travailler sans cela. Non. Je ne dis pas qu'on a. Je te dis qu'on a déjà. Moi, je pose juste une question. Non, on a déjà reconduit les commissions, les quatre commissions qui existaient par l'ancien décret. Mmh. C'est une volonté de travailler, mais on aurait dû. Si on ne pouvait pas travailler, on allait dire on ne fait rien, on attend que la sortie du décret. Mmh. Mais on a dit non, commençons à reconduire. C'est ça les quatre. C'est oui. Ça le décret. Oui, ça c'est l'ancien décret. Plusieurs décrets. Bon. Maintenant, il y a un nouveau décret qui va intégrer l'environnement. La commission, le décret est là, je l'ai, je vous le donne. Il prévoit cinq commissions au lieu de quatre. Mais pour pouvoir démarrer, il fallait au moins, dès la première assemblée générale, créer ces quatre commissions pour un début. Mais la commission environnement n'existe pas encore. Pour la première fois. Et ce sera la cinquième. Bon, ce sera la cinquième. C'est pas grand-chose. Mais quand même. C'est un dépliant, oui. C'est un petit dépliant. Il a ses insuffisances. Non. En deux semaines. En moins de deux semaines, mon ami. Non, c'est pas deux semaines. Depuis. Non. La collectivité nationale. Dépense de l'argent depuis 1991 au Conseil économique et social. Comprenez qu'elle attend quelque chose qui n'est pas un petit dépliant quand même. Parfaitement. C'est ça, tout. Nous sommes tous d'accord. Votre ami l'a dit de manière. Moi je le dis aussi. Honnête. Je t'ai dit, par contre, qu'on parlait du Conseil économique et social. Aujourd'hui, nous parlons du Conseil économique, social et environnemental. Ouais. Qui est au balbutiement. Au balbutiement, je veux que vous nous accordiez le bénéfice du doute. Mm-hmm. Non, je vous soutiens. Bon, non, ah. Non. Je veux soutiens dire, votre changement. Moi, je dis qu'il y a une volonté de rupture. On vous regarde. S'il y avait un bilan, nous l'aurions exposé. Bien sûr. Elle vient de nous évoquer tout de suite la participation du conseil qui est membre d'autres conseils. Une organisation. Je vous dis que moi, je ne suis pas nulliste. Oui, d'accord. Mais je ne suis pas nulliste. La question. Peut-être la question que ce n'est pas honnête, madame, vous madame, le dire, mais moi, je ne suis pas nulliste. Lala Acha, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un modèle de conseil économique social quelque part dans le monde qui vous un évaluateur ne peut jamais être nulliste. Ouais. Qui est un modèle exemple, pour vous. Jamais. Il y a l'union des conseils économiques et sociaux, par exemple, africains. Mm-hmm. C'est-à-dire ça, nous participons à ça. Nous passons à ça et nous faisons des échanges avec eux. Nous prenons des grandes décisions avec eux, avec ces conseils-là. Et je pense que c'est les gens qui nous inspirent. Nous avons visité, durant le mandat passé, nous avons visité le Conseil économique et social sénégalais. Il y a eu des membres qui ont été le voir et qui ont pris de l'expérience de ces gens dans l'organisation du Conseil lui-même et tout ça. Je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes. Pas suffisante, je ne dis pas que c'est suffisant, mais c'est des choses qui se font. Les gens, on commence toujours par quelque chose. Maintenant, il faut aussi tenir compte, quand on analyse un contexte, il faut tenir une chose, c'est-à-dire on donne un point de vue, il faut analyser le contexte dans lequel ces différents mandats du Conseil ont eu lieu. C'est-à-dire il faut analyser le contexte. Du point de vue, donc, je dis toujours de la volonté politique, et même des conditions matérielles pour pouvoir faire fonctionner le Conseil économique et social. Pour fonctionner, un conseil doit être un siège, en bonne et due forme, un siège qui doit être convenable pour recevoir même les gens qui vont travailler. Pour fonctionner, il faut avoir les moyens de recruter, par exemple, des experts pour pouvoir travailler. Donc, il y a tout ça. Je pense que pour faire une analyse objective, il faut aller dans ça pour voir pourquoi ça marche. Aujourd'hui, comme ils le disent, nous sommes confiants. Nous pensons que des directives ont été faites et des échanges ont été faits avec le président de la République et le président même du Conseil. Et qu'aujourd'hui, nous pensons que les choses vont évoluer positivement.
Ma question s'adresse à vous, M. Sadr, parce que je vois ici que le Conseil économique, social et environnemental est composé de 42 membres nommés par décret. Mais je vois qu'en premier lieu, il y a 7 représentants des salariés, 7 représentants des entreprises, 3 représentants et ensuite on descend vers 2, 2, 4. Pourquoi il y a 7 représentants des salariés, 7 représentants des entreprises et que le nombre diminue à chaque fois quand il s'agit des représentants des mutualités, associations, des collectivités territoriales, il y en a 5. Bon, ça, c'est question de représentativité. Certainement, le premier décret, ils ont pensé au poids, c'est-à-dire que le patronat et les syndicats, il y a beaucoup de mérites plus de représentants, parce que c'est un peu le dialogue social. Quand vous avez le patronat et les syndicats en face, c'est déjà bien. S'ils s'entendent, vous avez déjà 50% de problèmes sociaux qui sont résolus. Mmh. Maintenant, pour une participation plus grande, ils ont ratissé un peu plus large. Quand vous regardez, bon, on a dit 7 représentants des salariés, 7 représentants des entreprises, mais vous avez 3 représentants des professions libérales, dont j'en fais partie, 2 représentants des mutualités coopératives, dont une femme. Vous avez aussi 4 représentants des associations, etc. Et il y a 3 représentants des associations agissant dans le domaine de l'environnement. De l'environnement. Ça, c'est nouveau. Et vous avez 2 représentants des associations de ulama et même de mosquées. Voilà, et le reste, je suis 3 représentants. C'est l'aspect religieux. Hein. 3 représentants des Mauritaniens à l'étranger et on a 6 personnalités qualifiées dans les domaines économiques, sociaux et environnemental. Ça veut dire quoi, 6 personnes qualifiées? Et 6 personnes qui sont nommées par le gouvernement, ils doivent être des chercheurs ou des gens de haut niveau. Moi, je le voyais bien, lui, là-dedans, c'est quelqu'un de haut niveau, qui, c'est eux qui doivent... C'est 6 personnalités. Maintenant, qu'est-ce qui a justifié... moi, je n'étais pas associé à la rédaction du décret initial. Mais c'est un dosage qui permet de... Bon, moi, je crois que c'est acceptable. C'est une fonction de la philosophie. La philosophie en Europe, en tout cas en France, parce que nous espérons beaucoup de ce qui se passe en France, c'est que le Conseil économique... tacitement, avant qu'elle ne passe à l'Assemblée, au Conseil des ministres, généralement, on teste les grandes réformes, les grandes idées. Et c'est pourquoi le gouvernement devait saisir le Conseil économique et social. C'est pour que les questions qui ne sont pas encore prêtes, l'opinion n'est pas encore prête pour accepter certaines réformes, on passe au laboratoire. Le Conseil économique et social est considéré comme un laboratoire. Et dans ce laboratoire, pour les questions qui fâchent ou les réformes difficiles, alors il vaut mieux s'assurer que les partenaires sociaux les plus importants dans la vie économique ont déjà acquiescé ces idées. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle, effectivement, le Conseil économique social est dominé essentiellement par les partenaires sociaux. Essentiellement, donc, les syndicats. C'est un genre de tamis. Mais même si on regarde au niveau de la société, dans son ensemble, par exemple, le gouvernement, les actifs, c'est le patronat et le monde du travail. Tout à fait, tout à fait. Ils représentent le plus grand segment de la population. Donc, ils doivent être représentés à la hauteur de leur importance. Pas la population bas, non. Mais les forces vives. Les forces vives de la nation. Les forces vives de la nation. Voilà. Les forces vives de la nation, très juste. C'est les travailleurs et les employeurs. Les employeurs. Donc, ils occupent un plus large spectre. Et on n'a pas oublié les autres. On n'a pas oublié les autres. Ils ne sont pas le tiers. Par exemple, la décentralisation, nous sommes 5. C'est normal. 5 et c'est normal. Deux communes, trois régions. Bon, c'est bien. C'est bien. Mais aussi, on a mis des professions libérales. On touche un peu à du tout. Et les 6 personnalités qualifiées dans le domaine économique. Les 6 personnalités qualifiées sont choisies directement par le gouvernement. Par contre, les autres catégories sont choisies à l'intérieur des corporations. Le patronat, c'est lui qui désigne ses propres représentants. Les travailleurs, ce sont eux qui désignent. Par la suite, le gouvernement formalise par une nomination, par décret. Mais les propositions viennent d'en bas. Ce n'est pas le gouvernement qui les nomme.
pour les experts, par exemple les 6 experts, il est prévu dans les textes du Conseil économique social que le gouvernement peut envoyer, par exemple, des représentants aux assises du Conseil, par exemple, pour participer à ces assises et écouter. Par exemple, écouter un peu les points de vue. C'est parmi les 6 personnalités. Non, ce n'est pas parmi ces gens. C'est d'autres, il peut les envoyer. Si, ils sont membres. C'est-à-dire qu'ils sont membres, mais c'est des experts. C'est des personnes qualifiées. C'est des experts qui peuvent aider à élucider, à discuter, à enrichir les débats par rapport à ça. Le gouvernement ne désigne de lui-même que ces 6 personnalités. Choisies pour leurs compétences. C'est comme le choix du président, c'est-à-dire comme le choix du président et du vice-président. Bon. On aura l'occasion d'écouter une synthèse du discours du président. Si au niveau de la régie, l'élément est prêt, on peut déjà l'écouter et ce sera la dernière partie de notre émission. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد الوزير الأول السيد رئيس الجمعية الوطنية السيد رئيس المجلس الدستوري السيد رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد الوزير العام لرئاسة الجمهورية السيدة الوزيرة المستشارة لرئاسة الجمهورية السادة أعضاء الحكومة السادة أعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات والمنظمات المعتمدة. On va aborder donc les perspectives. Là, ce sera l'occasion de faire un tour de table et demander à. On va commencer par Lala Acha pour lui demander quelles sont les perspectives à court et moyen terme. Comme certains l'ont dit ici, depuis qu'il y a eu l'installation, nous sommes en train de travailler sur les plans, le plan d'action et un peu bien sûr les perspectives. Parmi ces perspectives, ce que nous pouvons citer comme axe, c'est le renforcement d'abord de l'organisation de l'institution elle-même. C'est-à-dire l'organisation, le siège, les bureaux et tout cela. Donc, trouver un siège adapté pour l'équipe et l'équiper. C'est de mener des campagnes. Et c'est dans ce cadre que rentre aujourd'hui notre... explique aujourd'hui notre rencontre avec la télévision de communication pour expliquer le rôle. Parce qu'effectivement, comme certains l'ont dit ici, le rôle et les missions du Conseil ne sont pas connus des populations. Et je pense que ça, c'est une faille. Et qu'aujourd'hui, nous en sommes conscients et que nous sommes en train de le faire. Et c'est pourquoi nous avons décidé la mise sur pied d'une base de données et d'un portail donc web pour un peu parler du Conseil. Ça, c'est dans les perspectives. Le troisième élément, c'est de réaliser des études. Un certain nombre d'études, c'est-à-dire de thématiques, ont été déjà identifiées sur lesquelles nous allons réaliser des études que nous allons présenter au gouvernement avec des propositions concrètes pour que cela soit pris en compte dans les politiques et dans les stratégies en matière de l'économie, donc sociale et environnementale. Président, des perspectives ? Les perspectives... C'est-à-dire afin d'éviter la rétagie dans laquelle se trouvait le Conseil où il y a un plan d'action et vous savez, ça dépend, en premier lieu ça dépend de la volonté politique. Non, il y a déjà la volonté politique que nous avons convenu. Mais d'abord, le siège, les textes... D'accord, on va écouter le discours du président Messoud. Je crois qu'ils ont le bon élément tout de suite là. La synthèse. Les ONG, en tant que telles, y sont à la fois un volant et une boussole de la bonne gouvernance et une ceinture de sécurité pour les pays qui absorbent les chocs éventuels.
S'adressant au président de la République, le président du Conseil économique a dit « Nous fondons d'immenses espoirs sur votre actuel mandat pour la concrétisation de nos attentes en matière de concorde et de réconciliation entre tous les Mauritaniens, privilégiant l'avis le plus judicieux pour la prise de décision tout en adoptant une attitude humaniste envers les citoyens. » Nous souhaitons que tous nos partenaires et leaders d'opinion soient animés par cet optimisme afin que tous se mobilisent pour l'intérêt général et épargnant à notre pays les troubles et les tiraillements politiques. Jusqu'ici, Monsieur le Président de la République, vous avez pris vos décisions avec patience et calme après écoute de tous vos intervenants. Nous vous exhortons à poursuivre dans cette voie. Lors du discours qu'il a prononcé ce mardi à la cérémonie d'installation du Conseil économique, social et environnemental, M. Doulboulkhaïd, président du Conseil, a indiqué que cette institution met en synergie par la force de la loi toutes les forces vives du pays au point que certains la qualifient de Parlement désigné ou de Mauritanie à échelle réduite. Il a également salué la politique de concertation et d'écoute de tous les fils du pays suivie par le président de la République, Mohamed Oulcher El-Razouani, depuis son accession au pouvoir, réitérant que son institution œuvre pour la construction d'une nation dans laquelle tous les Mauritaniens se retrouvent sans aucune exclusion. Le président, M. Doulboulkhaïd, a précisé par la suite que les conseils économiques, sociaux et environnementaux représentent des espaces adéquats pour la discussion et le dialogue entre les partenaires économiques, sociaux et environnementaux. Merci Aminata Khan pour cette synthèse. Lala Aïcha, vous allez ajouter deux points. J'ai terminé tout à l'heure en disant que nous avons déjà commencé à réfléchir à certaines thématiques. Je peux citer par exemple par rapport à l'amélioration des conditions de vie des populations elles-mêmes, donc à faire des propositions pour la gratuité de certains services, tels que le don de certaines bourses mutuelles et tout ça. Nous avons pensé aussi à certaines lois qui aujourd'hui sont en suspens. Par exemple, la loi sur la société civile, aujourd'hui, qui n'arrive pas encore à voir le jour, et la loi sur les violences faites aux femmes, donc à toutes les violences que subissent aujourd'hui les femmes, qui est une loi aujourd'hui qui est au niveau du Parlement, qui n'arrive pas encore à voir le jour. Nous avons pensé à la promotion d'actions, par exemple de protection de l'environnement. Donc, 3-4 axes sur lesquels aujourd'hui nous réfléchissons et nous allons émettre des avis. Monsieur Sava. Bien, pour des perspectives Les perspectives, bien pour être franc, je ne les connais pas encore. Parce que on demande aux sections de se réunir, commencer à réfléchir et donner un plan de travail. Faire d'abord un état des lieux, un diagnostic. Sur sa base, chaque section doit identifier certaines priorités et on fera un programme d'ensemble qui va être soumis à l'Assemblée générale. Et à ce moment-là, on aura un plan d'ensemble cohérent. Si ma collègue Laïcha connaît déjà au niveau de sa section, moi je ne connais pas encore. Parce qu'il faut que ma section se réunisse et qu'on débatte de tout cela, que ce soit validé par le bureau. On n'a pas encore ce stade. Mais ce qui est important, comme je vous l'ai dit, qu'on ait un siège d'abord. Ça, c'est important. Et après, effectivement, il faut qu'on fasse un diagnostic des lieux. Et on identifie les priorités, on fait un plan de travail. On est en train de le faire, mais ce n'est pas encore terminé. Les priorités pour M. Ba? Moi, je ne suis pas président de section. Vous êtes membre. Dieu merci. Mais je discute souvent avec mon ami le président Sia de ce qu'il est urgent d'entreprendre. J'avais évoqué tantôt ce décret d'application de la loi organique qui est indispensable pour arriver à mettre en place cette cinquième commission de l'environnement. J'ai discuté avec lui d'un organigramme du Conseil, parce qu'il n'a jamais existé. J'ai discuté avec lui cette question d'un plan d'action à court terme, aujourd'hui même, et surtout
la création de ce portail web et multiplier la sensibilisation pour faire connaître le conseil. Mais je crois que cela, aujourd'hui, est très difficile, comme l'a dit mon ami Sadok. Le conseil est à l'étroit, très à l'étroit. Même la salle qui est censée recevoir tous les membres, on se sert dedans comme dans une boîte de sardines. Donc c'est ce qu'ils vous disent, on n'a pas de siège. Si on a un siège, il n'est pas fonctionnel. Il ne s'y est pas au conseil. Mais déjà, tant qu'on n'est pas en grand nombre, on peut bel et bien faire un certain nombre d'actions qui vont permettre de découper. Et je crois aussi que le conseil a tout intérêt à se bouger, parce que à la volonté politique affichée par le président de la République, le conseil doit apporter une réponse au volontariste lui aussi, qu'il va faire quelque chose. Cela l'aidera à sortir dans la torpeur dont parlait tantôt mon ami Iselmo. Mais véritablement, sans ce décret d'application, sans organigramme, sans plan d'action, il serait difficile d'envisager autre chose. Je crois que c'est par là qu'il va falloir commencer. On va demander à Iselmo un souhait, peut-être. Un souhait très simple. Mm-hmm. Nous attendons d'un conseil économique et social digne de ce nom des choses très simples, qui ne demandent pas beaucoup d'argent, mais qui ont un réel effet. Un, choisir rapidement un plan immédiat d'action et choisir des centres d'intérêt évidents sur lesquels les membres à eux seuls peuvent réfléchir sans expertise d'ailleurs. Un conseil aujourd'hui en Mauritanie, son premier objectif doit être d'évaluer ce qui se fait et de proposer, partant de l'évaluation qu'il fait, comment faire mieux. Par exemple, nous avons fait une politique sociale avec des programmes ML pendant une décennie. C'est bien qu'un conseil économique social évalue cette politique. Quels ont été ses effets ? Positifs, négatifs ? Est-ce qu'elle a fait reculer la pauvreté ? Qu'est-ce qu'elle a permis comme... Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution de l'échange ? Mmh. Ou est-ce qu'il faut la continuer ? Mmh. Il faut proposer au gouvernement des propositions concrètes. Il y a une inflation qui a été relativement modérée, mais il y a des inquiétudes. Un conseil économique et social s'est saisi de cette question, même si le gouvernement a réfléchi, tout le monde doit réfléchir. Mais un conseil économique et social vigoureux doit tout de suite réfléchir pour trouver, adopter une attitude et donner des conseils discrets au gouvernement pour faire mieux. Le financement de l'économie, ça c'est un problème grave qui se pose énormément et à tout le monde. Mm-hmm. Eh bien, un conseil économique et social digne de ce nom doit réfléchir sur est-ce que nous avons besoin de 25 banques ou 30 ou 40, nous avons 18 aujourd'hui fonctionnels, est-ce que le taux de bancarisation est raisonnable, est-ce que les taux d'intérêt sont raisonnables, est-ce qu'on peut faire une activité économique aujourd'hui sans crainte. Un conseil économique et social doit réfléchir sur le climat des affaires. On dit que la transparence, que tout le monde peut faire marcher des affaires, que l'égalité des chances existe, mais il faut un conseil économique et social digne de ce nom, doit donner un avis, doit réfléchir, doit trouver des solutions, doit surtout diagnostiquer, faire une évaluation du climat des affaires et dire voici ce qui est vrai, voici ce qui est faux, et nous demandons au gouvernement de prendre cette direction. Et c'est un peu ça, le conseil dynamique, sans argent. Ce n'est pas une question uniquement d'argent. Mm-hmm. C'est une question aussi de volonté politique. Volonté. Vous l'avez dit, mais aussi une volonté politique interne. Absolument. Voilà, n'oubliez pas. C'est de ça qu'on parle. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle qu'elle était consacrée au Conseil économique, social et environnemental et que mes invités étaient M. Ahmed Rahib Oulsad, qui est président de la section chargée des politiques économiques et monétaires. Madame Silala Aïcha Ouedraogo, militante des droits de l'homme, présidente de la section ressources humaines des affaires culturelles. Monsieur Amadou Abouba, président du conseil régional du Gorgol et membre du bureau. Monsieur Iselmo Oud Mohamed, ancien ministre, statisticien et économiste. Je remercie également les équipes techniques, les caméramans, les réalisateurs et mon collègue Mamadou Gueye pour la réalisation de cette émission. Bonsoir et à bientôt, Inch'Allah.